Salut les amis, après 3 semaines, je me devais de vous donner quelques nouvelles, n'est-ce pas? Je vous ai manqué? Bah, vous ne m'avez pas manqué. Non, je rigole. Donc, bah oui, je suis sur le flanc, j'ai une douleur à l'aine, donc j'ai fait des examens, j'ai fait un scanner, une échographie. On a éliminé pas mal de soucis. Donc on trouve pas trop une tendinite ou je sais pas, donc ça m'empêche vraiment de pédaler. C'est des douleurs assez aiguës qui, en fonction de ma position, un peu penchée. Donc bah, je me tiens à la peau tranquille. J'ai fait une petite sortie cette semaine de 20 km, ça n'a pas été top. Là on est samedi, demain je pense que je vais essayer de partir rouler avec Saint-Sulpice. Ils partent pas trop tôt. Et puis bah, je vais voir au feeling, hein. Je prendrai le vélo électrique, donc ça me permettra de pas trop forcer. Et puis si ça va pas, je ferai demi-tour. Voilà, enfin je pense bien à vous et puis j'espère faire une petite vidéo bien sympa. Donc voilà. Bon ben c'est parti. Pour l'instant la gêne est là. C'est plus supportable que la semaine dernière. Bon maintenant c'est avec les kilomètres et sans trop forceau, on va voir ce que ça va donner. Alors soyez optimistes avec ce beau soleil, ça fait plaisir. Allez, voilà, il y a du monde ce matin, c'est plaisir de repartir sur le vélo. Bah là je rigole, mais je rigolerai peut-être moins tout à l'heure. Hein. Saint-Sulpice, nous voici. Bah, tout à l'heure j'ai pas eu le réflexe de mettre la caméra, mais un fou furieux, hein. On nous dit qu'il a voulu nous foncer dessus, mais vraiment il y a des tarés. Hein. Côte de Montflix. Des beaux champs de colza. Yep. Ah merde, il n'y a pas de bagnole. Crevaison, mais il faudrait plutôt un pneu qu'une chambre à air, j'ai l'impression. Un pneu, ça va être compliqué à trouver. Ça. La voiture, elle tourne. Ah, tu viens d'où, toi? Ça va? Comment ça, je viens d'où? T'es avec nous? Ah oui. Putain, je t'ai pas reconnu. Ah, ça, c'est l'art. Ah non, mais oui, c'est l'art du camouflage. Ouais, bah, vas-y. Allez mec, on est au stop, bien à droite, et ils se permettent de klaxonner. Bon, bah, on va faire l'arrêt pipi en même temps. Un Georges a son vieux pneu complètement éclaté, il va réparer comme il peut, puis il va rentrer.
Ah, mon pauvre Georges. Ah, putain. Tu vois, on le voit bien. Ah ouais, le pneu est usé. Ouais. Tu vois, regarde. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois? Ouais. Petit truc. Bah oui, forcément. Double éventail. Bon, pour l'instant je pédale comme un crapaud, mais j'arrive quand même à avancer. Ça fait plaisir, des éventails après 3 semaines d'immobilisation. Ça rigole pas quand même, hein. Tous les dimanches.
Deuxième crevaison. Ouais, bon, c'est... Oh, mais ça va aller bien. Tant qu'il y a que ça. Pourquoi le camion n'est pas là? Mais que fait Jean-Paul? Jean-Paul, lui, il est trop tôt en ce moment. Il est de repos, il est parti où là? Bah, il est dans sa maison secondaire. Ah ok, d'accord, bah, il est parti. Ah, oui, avec Bébête. Bon, allez, un petit tour. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Ça va? T'as pas le dérailleur électrique qui déconne, non? C'est bon? Bon. C'est dans ces trucs parce que les gens ils sont pas formés. Tu balances pas un gamin sur un toit comme ça. Les mecs ils ont un casque et tout. Moi j'avais des mecs qui travaillaient sur le toit. Joël? Oui? Non, l'autre. Ça va, Joël? Ça va. C'est bien, regarde ce beau temps, beau circuit. Moi ça commence à être dur au niveau de laine, mais ça tient. Ça, ouais. Pour l'instant ça tient, je fais gaffe. Dans les bois. On verra surtout demain ou cet après-midi ce que ça donne. Ça sera un bon test. Arrêtez, regardez s'il y avait du muguet. Hein. Ouais, oui aussi. Ah, c'est quoi ce bruit que j'ai entendu? Il y a une autre crevaison? Putain, alors Pascal, lui, il crève à l'arrêt, ça c'est génial. On attend et d'un seul coup. Oh non, mais c'est pas vrai là. Non mais je sens que je vais reprendre le hamac, moi, et arrêter le vélo. Hein. Bon Pascal, après la chute, c'est la crevaison? Ah non mais c'est pas possible. Ah si, moi je filme les guerriers. Le sang, j'adore le sang. Ah c'est pas vrai. Faites voir, faites voir. Alors expliquez-moi tout. Ah la vache, Alain. Putain, regarde le jeu que t'as dans ta chaîne. Putain, il m'a frappé. Ah ouais, mais il appuie sur les cannes, t'as vu. Ah, ça, et prends pas en photo mes gens. Non, non, c'est Ah, c'est pas mal. Non, c'est parce que c'est un plateau ovale, c'est pour ça. Ah, voilà. C'est... Ah, c'est bon le plateau ovale. Thank you.
Bon, ben, coincé par l'express de Broyer. Bon, la petite récap de la sortie, bah finalement j'ai bien tenu, hein, 128 km, je crois qu'on a fait 31,6 de moyenne, on voit que les gars ils ont pris les compètes, hein, ça roule bien. Je crois qu'il y a plus de 900 mètres de dénivelé. Donc un circuit bien agréable, une température nickel au niveau météo. Sinon moi pour ma douleur, ça a été correct. La deuxième partie est un peu plus dure, hein, j'étais obligé un petit peu de me tenir un petit peu plus droit, appuyer sur les bras, mais bon c'est passé. C'est passé avec du plaisir de retrouver les groupes et puis plaisir d'appuyer sur les pédales. Sinon, rien d'autre. Que dire de plus? Je réfléchis. Bon, on était un bon petit groupe. Je sais pas, on était combien? C'était peut-être 25. Bon, après, ça s'est séparé. Il y en a qui ont coupé un petit peu. Maintenant, c'est surtout voir comment je vais récupérer de mon problème, déjà cet après-midi, demain, si la douleur revient, si elle s'en va toujours gentiment. Donc voilà, c'était vraiment une sortie test, mais globalement, positif. Et je suis bien content. Voilà. Ciao. Les petites statistiques. Voilà, tout est affiché. Et le parcours. Je l'engrand. Voilà, on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà.